La carte du jour. Télépathie, message, communication non verbale, lecture de pensée, pouls énergétique. Les sirènes chantent. Autrefois, nous pouvions parler sans émettre de son. Et les bruits que nous faisions étaient sacrés, intentionnels et pleins de signification. À présent, on ne parle pour rien dire. Et on utilise l'air pour créer un son uniquement dans le but de remplir le vide. Mais plus personne ne comprend le cœur d'autrui comme on pouvait le faire jadis. Quand on reprend contact avec la mer et le rivage et avec les créatures qui nagent et respirent dans les deux mondes, on commence à comprendre les êtres sans avoir besoin de mots. Il y a une empathie immédiate, une transparence. Tout est vu, tout est là, ouvert et disponible. Quand vous étiez un lémurien, vous parliez sans mots et vous communiquiez avec votre énergie. Les lémuriens pouvaient envoyer des messages télépathiques sur de grandes distances, étaient reliés entre eux par des feelings d'énergie argentée au niveau du plexus. Ces feelings étaient branchés sur des kilomètres à travers les océans, les continents, les systèmes solaires et les galaxies. Les cheveux, les poils, la peau, les organes et les cellules du corps des lémuriens étaient sensibles et raccordés les uns aux autres. Les peuples indigènes, dont vous faites bien sûr partie, connaissaient le pouvoir des cheveux. En lémurien, les cheveux étaient comme des récepteurs. Ils recevaient de l'information à distance et leurs mèches pouvaient se dérouler et vivre une vie indépendante. C'est une tragédie de la désactivation de l'ADN qu'on ne puisse plus recevoir des messages de nos jours. Au lieu de l'interconnexion accablante que l'on ressentirait si on était connecté de cette manière aujourd'hui. En Lémurie, cela donne un sentiment de plénitude, d'amour, de satisfaction et de lien. Vos anciennes capacités se réveillent, vous commencez à saisir et à comprendre l'énergie subtile et vous êtes capable de déchiffrer les auras, de communiquer télépathiquement, oh là là, j'ai un peu de mal à finir, et parfois même de voir l'avenir. Excusez-moi. Divination. Si vous avez tiré cette carte, vous faites peut-être partie de ceux qui se sont perdus quand il s'agit de parler, car les mots ne semblent jamais assez exprimer ce que vous ressentez profondément. Vous préférez laisser votre énergie parler pour vous. Le mutisme suscite souvent un diagnostic médical, alors que les silencieux communiquent en permanence de manière ancienne mais subtile et avancée. Ouvert à l'énergie, ils sont plus en harmonie avec les animaux, les plantes, les cristaux qu'avec des conversations autour fréquemment belliqueux ou compétitifs. Vous aussi, vous vous sentez peut-être en contact télépathique avec la mémoire des cristaux, des arbres, des lieux sacrés. Les immenses étendues d'eau, comme l'océan Pacifique, débordent d'énergie et de mémoire. Vous faites partie de ceux qui peuvent les déchiffrer et qui peuvent parler la langue de l'énergie. Voilà, je vous envoie plein de petits bonheurs, plein d'énergie haute. Et à la prochaine vidéo. Bisous, bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des likes et des commentaires, bien sûr. Je vous adore.